بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 17 sur le cours des polynômes niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On considère le polynôme P de x qui est égal à 4x à la puissance 3, facteur de x moins 3 plus 13x facteur de x moins 1 plus 1 plus 7x. Montrer que P de x est le carré d'un polynôme à déterminer. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher ce polynôme tel que son carré c'est P de x. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Soit Q de x, un polynôme tel que P de x est égal à Q de x au carré. Déterminant de x. Tout d'abord, je vais écrire la forme réduite du polynôme P de x. P de x qui est égal à 4x à la puissance 3, facteur de x moins 3, plus 13x facteur de x moins 1, plus 1, plus 7x. P de x est égal 4x à la puissance 3 fois x et 4x à la puissance 4. 4x à la puissance 3 fois moins 3 c'est moins 12x à la puissance 3. Plus 13x fois x c'est 13x au carré. 13x fois moins 1 c'est moins 13x. Plus 1 plus 7x. P de x est égal à 4x à la puissance 4, moins 12x à la puissance 3, plus 13x au carré, moins 13x plus 7x, c'est moins 6x. Oui, plus 1. Donc, degré de P de x est égal à 4. Et comme P de x est égal à Q de x au carré, alors forcément le degré de Q ou bien le degré de Q de x, ce sera quoi? Bien sûr, ce sera est égal à 2. Ce sera 2. N'est-ce pas? Maintenant, je sais que le degré de Q de x est égal à 2. Donc, on va poser l'écriture générale de ce polynôme. On pose Q de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc, Q de x au carré est égal à ax au carré plus bx plus c. Le tout au carré. Ceci est égal. Je propose ax au carré plus bx c petit a de l'identité remarquable numéro 1 et c, c'est petit b de l'identité remarquable numéro 1, a plus b le tout au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ça donne ax au carré plus bx
au carré, le tout au carré, plus 2 fois ax au carré plus bx fois c plus c au carré. Ceci est égal. J'ai encore ici l'identité remarquable numéro 1. Donc ça donne a au carré plus 2ab plus b au carré. Autrement dit, a au carré x à la puissance 4 plus 2ab, 2ab, x à la puissance 3 plus b carré, x au carré plus, et je développe le produit deux facteurs de ax au carré plus bx, le tout fois c, 2a fois c, 2ax au carré fois c, c'est-à-dire 2acx au carré, puis 2bx fois c, c'est 2bcx plus c au carré. Ça donne a au carré, x à la puissance 4, plus 2ab, x à la puissance 3, plus b au carré, plus 2ac, le tout fois x au carré, plus 2bcx, plus c au carré. Voilà, ça c'est q du x tout au carré. Et comme p de x est égal à 4x à la puissance 4 moins 12x à la puissance 3 plus 13 x au carré moins 6x plus 1. Alors les coefficients des monomes du même degré sont égaux. Autrement dit, a carré est égal à 4, puis 2ab est égal à moins 12, puis b carré plus 2ac est égal à 13. Et finalement, pas encore, 2bc est égal à moins 6. Et finalement, c au carré est égal à 1. Alors, a au carré est égal à 4, 2ab est égal à moins 12, b au carré plus 2ac est égal à 13, de bc est égal à moins 6. Et finalement, c au carré est égal à 1. A au carré est égal à 4. Cela veut dire que a est égal à 2 ou a est égal à moins 2, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai deux cas. Le premier cas, si a est égal à 2, je vais chercher b. Alors, 2 fois a, c'est-à-dire fois 2 fois b, est égal à moins 12, signifie que b est égal à moins 12 sur 4 est égal à moins 3. Maintenant, j'ai trouvé b. Il me manque c. On a b au carré plus 2ac est égal à 13 signifie
B au carré, donc c'est moins 3, le tout au carré, plus 2a. 2ac, j'ai oublié ici le c. 2ac, plus 2 fois c, c'est égal à 13. Cela signifie que moins 3, le tout au carré, c'est 9. 13 moins 9, c'est 4. C'est égal à 4 sur 4, qui est égal à 1. Voilà, j'ai trouvé maintenant C. Maintenant, je dois vérifier ces deux résultats, ces deux égalités, celui-là et celui-là. Pour C est égal à 1, C au carré est égal à 1, donc elle est déjà vérifiée. C au carré est égal à 1 et vérifier ou bien elle est évidente. Maintenant, vérifions 2BC est égal à moins 6. Vérifions si 2BC est égal à moins 6. On a déjà trouvé B et on a déjà trouvé C. On a 2 fois B, c'est-à-dire fois moins 3, fois C fois 1, et tout ça donne moins 6. Voilà. Donc pour A est égal à 2, on a B est égal à moins 3 et C est égal à 1. Par suite, le polynôme Q de x qui est égal à ax au carré plus bx plus c deviendra Q de x est égal à 2x au carré moins 3x moins 1. C'est tout ça pour, bien sûr, a est égal à 2. Maintenant, si a est égal à moins 2, si a est égal à moins 2, alors je vérifie, je cherche B. On nous a dit 2AB est égal à moins 12. Donc 2 fois A, c'est moins 2, fois B est égal à moins 12. C'est-à-dire, B est égal à moins 12 sur moins 4 est égal à 3. Maintenant, il me reste C. On nous a dit que b au carré plus 2ac est égal à 13. On a b au carré plus 2ac est égal à 13. Donc, je remplace b par 3 au carré plus 2 fois moins 2 fois c est égal à 13. N'oublie pas que je cherche c, c'est-à-dire bien signifie 3 au carré c'est 9, 13 moins 9 c'est 4, c est égal à 4 sur moins 4 est égal à moins 1. C au carré est égal à 1 est déjà vérifié parce que moins 1 le tout au carré c'est 1. Cette égalité est vérifiée. Maintenant, je vais vérifier est-ce que 2BC est égal à moins 6. Vérifions si 2BC est égal à moins 6. On a A est égal à moins 2, plutôt B, j'ai B et j'ai C. Donc 2 fois B, c'est-à-dire fois 3, fois C, qui est égal à moins 1, tout ça donne moins 6. Donc l'autre égalité est vérifiée. Donc, pour A est égal à moins 2, on a
B est égal à 3 et C est égal à moins 1. Par suite, Q de x, le polynôme Q de x dont le carré est P de x est égal à moins 2x au carré plus 3x moins 1. A au carré plus bx plus c. A est égal à moins 2, b est égal à 3 et c est égal à moins 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.